Nous ferions mieux de rentrer. La nuit ne va pas tarder. Ouais, je sais, tu me l'as déjà dit. En tout cas, le transistor qui nous permettait de voyager est complètement détruit. Et puis toutes ces modifications qu'a fait Futur à la peur, moi je suis dépassé. Il aurait au moins pu laisser une trousse de secours. Nous ferions mieux de rentrer. Eh, tu comprends pas ce que je t'ai dit? Ça marche plus. Game over. Hey, game over. Ça sonne bien, dites donc. Hein? Bienvenue, chers téléspectateurs, sur la seule chaîne de télédiffusion en activité dans le Morab, en direct de New Vegas. C'est moi? Je rappelle que l'émission L'Écho Atomique est entièrement sponsorisée par le Strip de New Vegas, actuellement sous contrôle des Securitron, en attendant la nouvelle présidence. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une émission rétro-shopping 100% robotronique. Oui, vous avez bien entendu, l'émission rétro-shopping pour acquérir les plus beaux robotrons encore en activité sur nos terres dévastées. Protégez-vous contre les pillards, les hordes de César ou de la RNC, ou participez tout simplement à la reconstruction de New Vegas et de sa région aux côtés de modèles ludiques tels que les Protectrons. Mais qu'est-ce que je fous là? Et si dans un autre univers chronique, l'éco-vaporiste était une chaîne de vente commerciale de Rotrobot, Retrobot et Rolobot à prix discount? Très drôle. Ouais, bah j'aimerais bien voir ça. Pour cette deuxième partie de l'émission, j'ai le plaisir de vous présenter une toute nouvelle vague de Retrobot créée par le célèbre inventeur Futur à vapeur. Futur à vapeur? Trois modèles uniques rien que pour vous, trois modèles à des prix imbattables qui vous étonneront tant par leur qualité que par leur finition. Le modèle Robust One est un petit modèle très ergonomique et a la particularité de pouvoir s'adapter à toutes les commandes analytiques qui nécessitent la finesse et la précision d'un rétrobot à vapeur couplé à une machine à différence. Le modèle Retrobot 1 classe Prestige, un modèle d'exemplarité comme vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Plus besoin d'actionner les leviers à vapeur. Ordonné, et ces modèles Retrobots exécutent avec brio toutes les tâches les plus ardues. Les modèles Retrobot 2 classe Fétiche et Retrobot 3 classe Vénus. Besoin d'évasion et d'aventure rétrosensuelle? Alors ne cherchez pas plus loin, car ces modèles sont faits pour vous. Pluridirectionnels, ces rétrobots à la fois puissants et sensuels sauront combler vos désirs les plus intimes et répondront à toutes vos envies, quelles qu'elles soient. Par ailleurs, pour tous les abonnés de la chaîne de l'Écho Atomique, en association avec Futur à Vapeur et la célèbre marque Sunset Sasparilla, pour 3 rétrobots achetés, un Jumbot vous est offert. Oui, vous avez bien entendu, pour 3 modèles achetés, un offert au prix exceptionnel de 75 000 capsules. Le rétrobot Jumbo est un modèle de classe alpha et chronique, alimenté à vie par énergie atomique. Nouvelle source énergétique fiable, non polluante et inépuisable, et sans danger pour vous et vos enfants. Bonjour Futur à Vapeur, et merci d'avoir accepté cette invitation à l'émission Retro Shopping, consacrée au Robotron et à tes fameux rétrobots à vapeur. Mais tout d'abord, quel inventeur es-tu exactement ? Bonjour à tous, merci de me recevoir. Quel inventeur je suis. J'ai pas vraiment le sentiment d'inventer quelque chose, ni de découvrir. C'est plutôt de réinterpréter les choses, c'est-à-dire que comme tout le monde, je nourris mon imaginaire. Et puis cet imaginaire-là, je le transforme, je lui donne une nouvelle forme. J'ai pas l'impression qu'on ait de nos jours plus grand chose à inventer, mais en tout cas on a plein de choses à réinventer. Donc je dirais pas un inventeur, mais peut-être un transformateur éclectique. Comment conçois-tu le steampunk, ce genre si particulier où tu sembles très attaché? Et quelles sont tes inspirations rétrofuturistes?
Comment je conçois le steampunk? Concevoir le steampunk, c'est un peu large. J'oublie jamais que dans steampunk, il y a punk, hein, c'est un petit peu la base. J'ai un peu de mal à voir le steampunk, justement, s'embourgeoiser, toujours jouer de l'élite, des nobles, des pilotes. Voilà, j'aime bien ceux qui mettent les mains dans la graisse. Mais bon, voilà, en tout cas, ça ne se limite pas à ça. Le steampunk, j'ai tendance à en faire, mais très peu à en consommer, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne vais pas du tout nourrir des créations de mes contemporains, peut-être pour ne pas m'influencer ou pour ne pas voilà, m'empêcher de créer. En tout cas, je m'inspire surtout de l'histoire, avant tout, et puis surtout de la littérature, que ce soit fantastique, héroïque, fantasy. Voilà, je vais pas me limiter à un seul domaine, je vais plutôt réinterpréter. C'est un peu ça le principe du steampunk, c'est d'imaginer un futur qui n'a pas eu lieu et de s'ouvrir des espaces de création à partir d'un dogme de départ qui est et si Charles Babbage avait créé la machine à différence numéro 2, peut-être qu'on aurait eu une révolution numérique avant la révolution industrielle. Comment sont nés ces extraordinaires rétrobots à vapeur révolutionnaires et quels sont tes secrets de fabrication? Comment sont nés mes robots? Je venais du monde de l'accessoire et du décor, hein, pour l'audiovisuel, que ce soit les vidéos de l'info, C'est pas sorcier ou d'autres émissions. Et puis j'ai voulu me reconvertir, et quand il a fallu me reconvertir, eh bien, il a fallu que je voie mes moyens un peu plus réduits, forcément. Il a fallu que je commence à créer dans un espace de 11 mètres carrés qu'on partageait à deux avec un ami. Et il a fallu adapter la taille de mes créations précédentes, de mes décors, à l'espace réduit. Et c'est comme ça qu'on sont nés les premiers rétrobots. Peut-être même inspiré par peut-être des jeux vidéo ou même un jeu Flash, si je me rappelle bien, je ne me souviendrai plus le nom, enfin voilà. En tout cas, tout ça a pu construire un petit peu cet univers, et puis j'aimais bien ce côté un petit peu des robots dans un univers presque post-apocalyptique où l'humain n'aurait plus sa place et où ses créations lui auraient survécu. Donc je suis un peu parti sur tout ça, donc des robots domestiques que j'imagine en fait dans un futur qui n'a pas eu lieu, désœuvré et sans l'humanité un peu en quête de sens. Mes secrets de fabrication, alors les secrets de fabrication, il n'y en a pas un milliard, c'est-à-dire que je vais un petit peu à la manière d'un modeleur créer en rajoutant des formes. Parfois ça va être juste un objet que je vais avoir trouvé dans une poubelle ou que ce soit un œuf géant surprise ou ce genre de choses qui peuvent être à la base de la création. Mais voilà, si on voit le jumbot qui est un petit peu vécu, ici on va trouver un rond de serviette, des boules de rideau, des tuyaux d'aspirateur, des spots, le fameux œuf surprise, encore un autre œuf surprise, des œillets, etc. Donc les balles de ping-pong, tout est prétexte à transformation, je ne vois plus l'objet mais seulement la forme. Et à partir de là, c'est mon imaginaire qui va se nourrir de tout ça, notamment le jumbot. On évoque souvent les robots de Goldorak ou le géant de fer ou des choses comme ça, qui sont des choses qui de toute façon m'ont sûrement nourri et inspiré, mais voilà, n'ont jamais été dans un but de copier ou de représenter des choses qui avaient déjà été créées. Donc la récup. Enfin, peux-tu nous dire quelle est la différence entre un rétrobot à vapeur et un androïde cybernétique de classe T-800 à l'intelligence dangereusement auto-évolutive? En clair, le monsieur vous demande si l'on peut faire du steampunk avec des robots. La vapeur est-elle compatible avec l'intelligence artificielle? Oula, alors là, vaste question, merci de m'avoir apporté une petite traduction, là, parce que je suis pas sûr que la première m'eût beaucoup éclairé. Il n'y a rien qui empêche rien, c'est-à-dire que le steampunk, c'est ce qu'on en fait, c'est notre imaginaire. Donc qu'est-ce qui empêche d'avoir l'intelligence artificielle à l'époque victorienne?
rien, si ce n'est la taille, je dirais, fantastique des machines qu'il faudrait correspondre. Il suffit de voir en fait la taille d'un ordinateur dans les débuts de l'informatique et de voir maintenant à quoi la même puissance peut être réduite. Hein. On peut voir ça dans les Raspberry ou les tout petits ordinateurs. Les tailles sont de plus en plus miniaturisées. Bah, imaginons que si on avait réussi à créer des ordinateurs bien avant l'heure, bien avant la révolution industrielle, qui aurait fait la taille d'immeubles ou de choses comme ça. Donc on peut imaginer l'intelligence artificielle, mais à mon avis dans la totale démesure, et on aurait eu des robots vraiment de la taille d'un immeuble, ou alors des robots avec une intelligence de la taille d'un immeuble et un câble qui les aurait rejoint une certaine mécanique. Mais voilà, c'est comme d'habitude, c'est la seule limite, comme d'habitude, de notre imagination. J'ai raté ma conclusion. Merci Futura Vapeur et à bientôt pour de nouvelles créations. Nous vous rappelons que toutes les créations de Futura Vapeur sont uniques et que la garantie constructeur n'est pas de mise pour la simple et bonne raison que ces rétrobots sont tous indestructibles. Karishka, faut qu'on retrouve Futura Vapeur. Je sais pas ce qu'il fiche ici, mais il n'y a que lui qui pourra te réparer et nous ramener dans la zone 51. Et si on commençait par aller voir ce Master Good Deal ? Flash Info. Galaxy News Network, bonjour. L'info, 7 jours sur 7. Nous interrompons vos programmes pour une information de toute urgence. On déplore un terrible accident à la frontière de l'ancien Mexique où une insurrection de Robotron a provoqué la mort de nombreux habitants. À la demande du président adjoint de la République de Nouvelle-Californie, l'armée a été dépêchée pour maintenir l'ordre en attendant la fin de l'enquête. Sur place, nous avons pu rencontrer un membre de l'insurrection. Allez, caramba, rendez-vous humain. Aucun mal ne sera fait. D'après les calculs, nous devons purger le génome humain des terres du Mora et de toutes les terres dévastées. Avec le mécanisme, nous allons prendre le contrôle de tous les Robotrons du pays. Ne résistez pas, venez à nous. L'insurrection des robots a pris des proportions gigantesques dans tout le pays. Elle semble être menée depuis Boston par un mystérieux personnage appelé le mécanisme. Nous recrutons actuellement un journaliste pour mener l'enquête à l'est du pays. Vous pouvez postuler en nous écrivant directement dans nos bureaux. Forte rémunération en radix, steampack et capsule, avec en bonus une invitation exclusive à New Vegas pour un show exceptionnel avec la célèbre Lady Chapillon. Lady Chapillon ? Mais c'est pas possible ! J'ai connu une ancienne pilote de Zeppelin qui portait ce nom, mais c'était belle lurette. Bon, Clarishka, remballe tes affaires. On retourne à l'abri, on s'équipe et on repart à l'aventure. Direction Robco Industries. Là-bas, on va interroger un spécialiste des Robotrons. Et puis on s'occupera définitivement de ce Mechanix. C'est la troisième fois que des robots de ce genre nous attaquent. Le moment est venu de découvrir d'où ils viennent et d'affronter leur chef. J'ai besoin de votre aide pour arrêter ce mécaniste. Vous allez maintenant affronter la colère du mécaniste. Venez à moi, robot. Finissons-en. Oh bah bravo!